La Côte d'Ivoire envisage de former 240 médecins généralistes de 2023 à 2026 dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux complets. Objectif : renforcer les ressources humaines en gynécologie et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, périnatale et infantile dans le pays. Le représentant du ministre de la Santé, Soro Kuntelegona, s'est exprimé sur ce sujet le vendredi 2 juin à l'occasion de la cérémonie de lancement de la première promotion de médecins généralistes à Grand Bourguet, dans le département d'Agbouville. Nous procédons ces jours au lancement de l'opérationnalisation de cette stratégie de délégation des tâches en santé de la reproduction et planification familiale dans notre pays. Le contexte nous invite à l'action. Nous devons agir maintenant et vite. Ces médecins formés restent des médecins généralistes, mais avec des compétences renforcées. Je reste convaincu que la formation des médecins généralistes en soins obstétricaux et néonataux d'urgence contribuera à la réduction de la mortalité maternelle grâce au renforcement des ressources humaines en quantité et en qualité et avec une répartition plus rationnelle du personnel et un accès à des soins de santé primaire ou de proximité de qualité. Cette formation contribuera à la réduction de la mortalité maternelle en renforçant les ressources humaines en nombre et en qualité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous formons des spécialistes, mais au rythme auquel nous les formons, parce que le DES de gynécologie obstétrique dure 4 ans, au rythme où nous les formons, nous aurons du mal à couvrir l'ensemble des besoins, ce qui fait qu'il y a des besoins non couverts. Pour aller vite, non pas aller vite en faisant une formation au rabais, mais aller vite en donnant des compétences à des médecins. Donc c'est déjà un niveau de recrutement assez élevé. Le taux de mortalité en Côte d'Ivoire est passé de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021.